pas qu'on s'en fout. On est déjà marre. Vive le roi! Mais vive vas-y, le roi, tu peux toujours gueuler. Vive le roi! Hé, passe-moi. Tu les vois, toi, les Turcs? Pas un poil de Turc. Rien. Qui a soif? Vive le roi! Hé! Oh! Hé! Hé! Donne-moi un petit coup d'eau, là, ça sera le dernier, peut-être. Allez, allez. En soldat, j'ai pas une goutte d'eau de vie, rien de l'eau. Comment, y a pas de gnôle pour ceux qui vont au feu? Comme ça, tu garderas la tête froide. Si je garde la tête froide, j'y vais pas au feu, hein. Donne-moi un coup de pinard, quoi. Y a pas de vin, il n'y a que de l'eau. Nom du Dieu, de l'eau pour ceux qui vont passer l'arme à gauche, non, mais tu te fous le mailleur, hein. De vous, les gars! Vive le général de Bourbon! Vive le général! Gueule, Passebois, merde! C'est pas lui, Passebois, c'est moi. Ah? Bah oui, tu me reconnais pas, mon bouichou? C'est toi, Passebois? Oui, je crois. Ah. T'es sûr? T'es là encore sous, hein, mon bouichou? C'est pas toi. Passebois, il est plus beau que toi. Je suis comme ma mère m'a fait. Marc, elle devait pas être bien belle non plus, hein, pour m'avoir fait cette gueule de singe. Ça fait rien, mon Passebois. Je t'aime bien quand même, mon fils. Ah non, ben j'aurais trop de malheur si t'étais mon père. Merci, sergent. Chut. Ça va? Ça va, oui, oui. Bonsoir. Non, non. Ah. Non, restez couché, oh. Restez couché. Bonsoir. Bonsoir, mon lieutenant. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Même un peu plus, mon lieutenant. Hein. 20 kilos de fourbis, de bardas. Heureusement qu'il y a le lard fumé. Hein. Et les biscuits, et le bœuf salé. Hein. Allez, bonne nuit. Bonsoir, bonsoir mon lieutenant. Je crois qu'on est bien tombé avec ce lieutenant. Il m'a filé son tabac tout à l'heure. Le mien était tombé dans la flotte. Ah bon? Quoi? Je vais te dire. On a peut-être trouvé la bonne planque. Je pense que c'est le moment de s'arrêter, sergent. Pour un soldat, tu penses trop? Ben oui, il faut bien qu'il y en ait qui pensent, hein. Pour éviter à ceux qui nous commandent de faire des conneries. Ben qu'est-ce que vous foutez là? Nous sommes les agents de transmission du quartier général. Nous amenons un pli du général Després. Donnez-le-moi et retournez au quartier général. Donnez, vite! On y va! Allez! Oh merde! Oh le salaud! Mais calme-toi, tu n'as rien du tout! Ah oui, hein. T'as vu ce qu'ils ont fait de ma culotte, tu vas voir! Je vais leur montrer mon cul, moi, c'est Bouichou, viens ici, hein. reviens! Je vais voir mon cul, hein, abruti! Viens ici, Bouichou, on y va! Mêle-toi! On a été balancé. Montez au sixième, vous pouvez passer par les toits, dépêchez-vous. Je vais voir si vous pouvez passer. Thank you.
Mais nom de Dieu, t'es cuit, Bolek. J'irai devoir cracher dans la sure le même jour que les frères Buisson. Écraser tes baloches, pourriture, et tu t'en serviras plus jamais, t'entends? Plus jamais! Alors c'était pas Émile Buisson qui était à Gambetta avec toi, hein? C'est un nommé, hein? Dis voir un peu. Répète tes conneries. Allez, répète! George Muller! Je connais que sous ce nom-là. Mais je vais te faire bouffer ta merde! Espèce de salaud, si tu continues à te foutre de ma gueule! T'es pas encore arrivé à la santé, mon pote. Il prétend que l'homme qui s'est tiré par les toits, c'était pas Émile Buisson. Intéressant. Bon, on va prendre ta déposition, on va voir si ça correspond avec ce qu'a dit ta sœur. Puis après, on se parlera tous les deux. Tiens, Lucien, tu veux venir deux secondes? La partie. Eh ouais. Chut. Pas bouger. C'est un nègre. C'est lui. Chaussures noires. Bonjour, Martin. Bonjour, mon oncle. Il nous a abandonnés pendant longtemps. C'est vrai. Je vous demande pardon pour ce que j'ai fait. Tu sais que ton père et ta mère sont morts? Oui, je l'ai appris. Et j'ai prié pour eux. J'ai appris aussi que vous avez marié la Raymonde, ma belle-mère. Et je suis bien content. Il venait d'où, ce soldat? Des garnisons de Picardie. Il faut pas croire tout ce que racontent les étrangers.
Ou les ivrognes. Ou les coquins. Votre père a raison. Un beau mentir qui vient de loin. Nous, on le connaît bien, Martin. Bien. C'est nous tous. Bonjour, Jean-Edouard. Est-ce que je peux te parler deux minutes? Oui, mais pas trop longtemps, s'il vous plaît. J'aurais bien fini de faucher la pièce des Malides aujourd'hui. Il s'agit de ton fils. J'ai appris que M. Lanzac avait soupé chez vous hier. Oui. Vous êtes bien renseigné. Et il vous a dit que le petit devait poursuivre ses études. Hein? Oui. Mais on n'y tient pas. Et vous avez bien raison. Non, moi, ce que j'ai à te proposer, c'est d'envoyer ton garçon au petit séminaire. Je m'arrangerai avec Monseigneur l'évêque, ça ne te coûtera pas un sou. Et vous n'avez pas compris, monsieur le curé. C'est que je ne peux pas me passer d'une paire de bras à la ferme, moi, voilà. Puisque je te dis que ça ne te coûtera pas d'argent. Mais monsieur Lanzac me chante la même ritournelle, un pour le collège, un pour le séminaire. Sous votre respect, vous faites de fameux sergents recruteurs. Pas vrai, Marguerite? Marguerite, tu vas tout de même pas me dire que t'es d'accord avec ton mari. Vraiment, monsieur le curé, on a trop besoin du petit. Et son avenir? Qu'est-ce que vous en faites? Ton avenir, c'est pas de devenir instituteur, ni curé. Fais le camp, quoi! Fais le camp! Allez, oh, 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 faites pas les cons, allez, c'est fini, la merde! Hein? C'est fini, allez, on prend un coup, allez, oh. C'est moi qui offre, hein? Allez. T'as pas compris, non? Fous le camp d'ici. Allez, dors! Hein? Sors-le! Oh non, bon. Bon, Ginette, tu donnes sa plure au monsieur, là. On les fout le camp! Oh là là! Mais tu refous pas les pieds ici, hein? Oui, si t'as pas les mains! Oh, t'inquiète pas, je m'en vais! Oui, c'est fous ça. Le camp! Ouais, mais je me tire de cette putain de ville, je sais pas te revoir, hein! Ah, ouais, je m'en vais! Ouais, ouais, ouais. Salaud! Et tu vois cette porte, t'as un peu en face de toi. Oh, mes verres, et mes verres. Ça va pas, mes verres. Ah, mes verres, mon dieu. Oh, mais ça va pas, merde. Faudra me rendre mes comptes un de ces jours. Quel compte? Ce que mon bien vous a rapporté pendant que j'étais pas là. De quoi tu me parles, hein? Quand j'étais pas là, vous êtes occupé de mon bien, je vous en remercie, mais ça a rapporté. Pendant 8 ans. Maintenant, j'ai besoin de cet argent. J'ai calculé à peu près, vous me devez un peu plus de 6 000 livres. Tu oses me demander des comptes à moi? Moi qui ai élevé ton fils pendant que tu te promenais. Moi qui ai protégé ta femme. Moi qui t'ai accueilli à ton retour. Et qui t'ai pardonné. Vous n'avez fait que votre devoir. Moi, j'étais à la guerre.
J'ai droit à ce que mon bien m'a rapporté. Tu n'as aucun droit, puisque c'est toi qui es parti. Si fait. J'ai la loi pour moi, je le sais. J'irai devant la justice, s'il le faut. Et je vous ferai condamner. Tu menaces ton oncle, maintenant. J'en ai besoin de cet argent. Je veux vendre le pré de la Croix d'Or et acheter celui du Pujol. Pour y mettre de l'orge. Tu veux vendre le pré de ton père, hein? Oui, il est trop en pente. La terre s'y a pas. Eh, pardi! Tu commences à dilapider notre bien! Oh, mais je m'y attendais. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, je te préviens. Martin, ou pas Martin, ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Répétez-le. Qu'est-ce que vous avez dit? Seconde. Vous connaissez ce garçon, monsieur Lafave? Qui êtes-vous? Son père. Il a fait une fugue. Il est sans doute parti avec votre fille. Son père? Oui. Vous avez eu de leurs nouvelles récemment? Je le connais. Son père, il est venu ici il y a 15 jours. Ah, oui, oui, non. C'est pas son père que vous avez vu. C'est le monsieur qui l'a élevé. En fait, le vrai père, c'est moi, voilà. Alors? Alors, j'ai déjà tout dit à l'autre père. J'ai dit que je voulais qu'on me foute la paix avec cette histoire. Vous allez venir m'emmerder longtemps comme ça? Faut pas vous fâcher, monsieur Raffard. Je me suis expliqué avec la police. Je veux plus qu'on m'emmerde, je vous dis. C'est clair! Bon, j'ai du boulot, moi. Allez, filez. Allô? C'est de part de qui? Mais donnez-moi ça! C'est le plombier, vous le prenez? Mais donnez-moi ça, il foutait le camp! Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Excusez-moi d'être occupé pour l'instant. Il y a une commission à lui faire? Ah, eh bien, attendez, attendez, le voilà qui revient. Secours! Allô, ben non, excusez-moi, il est reparti, là, oui. Ah oui, vous n'avez pas de chance, hein. Un petit mot, ça lui fera plaisir. Il est venu. Comment? Votre fils. Il est venu. Il était avec deux autres types. Et puis ma fille. Ils ont dormi ici. Une nuit, et puis je les ai virés. Pourquoi vous l'avez pas dit à sa mère l'autre jour? Parce que ils avaient du matériel volé. Ils ont dû casser un magasin, des transistors, des magnétophones, alors j'aurais dû prévenir les flics. Mais je veux pas d'histoire. Alors j'ai dit à tout le monde que je les avais pas vus. Où sont-ils maintenant? Mais j'en sais rien. Allez, t'es fort. Ma femme. Oui. Elle s'est peut-être vue. Elle a une station en service sur la route de Cannes. La station à Gip. Je t'en veux pas ici, hein, fumier! Bon, foiré, là! Ça y est. C'est fini? C'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il manque de respect à Janine, non? Mais. Mais puis en plus, il me traite de mauvais français, ce con! Il n'aurait pas dû. Non, mais ça va pas, non? Tu cherches absolument à nous ramener les flics? Allez, allez, rentre-toi! Allez, prends-toi! Tu crois pas que t'en fais un peu trop, non, Lucien? Si après chaque main au cul, il faut refaire la vitrine. Ta gueule! Il t'aime trop, ma grande. Ça lui fait faire des folies. Je montrerai une bouteille de blanc. Il faut que je frappe à la porte avant d'entrer, oui, je sais. Ils ont assassiné Jaurès. Hein? Qui ça? Hein? Quoi? Oh. Qui? Jaurès. Vas-y, toi. Monsieur le père, pas vous frapper comme ça. Non, mais que de bon Dieu! Oh. Hein? Mes amis, nous sommes en guerre. Hein? Qui, nous? Nous, la France? Mais c'est pas, s'il vous plaît, mon père. Ça date de quand? Du 3 août. Mon Dieu. Mais on sait comment ça a tourné, au moins, non?
Non, malheureusement, ça s'arrête au 13 août. Et s'il vous plaît, mon père, c'est contre qui? Contre l'Allemagne, bien sûr. Ah, tiens, contre l'Allemagne, j'aurais cru que c'était contre les Anglais, moi. Oh, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'en suis de 57 francs 75 comme un con, moi. Oh, merde. Mais c'est sûr, maintenant, l'Allemagne fera pas. Hé! Quoi? L'Allemagne? Oui. Mais elle est là? Ben oui. Hein? Ils sont là, les Boches! Ben oui, il y a Kraft! C'est vrai, vrai, ça, c'est vrai! Mais heureusement, ils peuvent pas savoir, tout passe par nous! Faut pas laisser ça là! Mais qu'est-ce que vous voulez? T'entends, Bosselet? Travaillez un petit peu, là, hein? Bosselet, quoi? Quoi, vous vous énervez? Non, on s'énerve, nous! Oui, vous vous énervez. Vous avez l'air d'oublier que dans un cas comme ça, c'est l'autorité militaire qui décide. Ben justement, l'autorité militaire ici, c'est toi. Oui, c'est toi. Et ici, c'est lui. De toute façon, il n'y a rien à décider, hein. Non. La patrie est en danger. Vive la France! Vive la France! Vive la France! Je gêne. Non, vous pouvez rire, l'artiste. Je gêne, oui. Je les gêne. Je les dérange. Parce que je fais des comptes et que ça ne colle pas. Ça ne colle jamais. Alors de quoi vous mêlez-vous de la plane? On vous demande de retrouver les disparus, on vous demande pas de compter les morts, non? Non, on me le demande pas. Mais je le fais. Et alors? Et alors? Tout vérifié, il en manque. Près de 200 000. Et ça n'est pas fini. J'en retrouve tous les jours. 200 000 de plus, 200 000 de moins. Ah non, non, mes chiffres sont sûrs. On a escamoté 200 000 morts. Mettons, et après, L'humanité est entrée dans la fête finale. Un grand bal de la vie et de la mort. La grande apothéose. Ouais. Les survivants bouchent les trous et forniquent à couilles rabattues pour préparer la prochaine. Mais ici, ça sera très bien. Très bien, ici. Quoi? Bah, leur foutu monument, oui, je vais leur planter là, en plein milieu. Hein? 8 poilus, 4 d'un côté, 4 de l'autre, en bronze doré. La victoire au-dessus et celle déployée. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Mmh. C'est tout? Non, non, oui, non, c'est très bien. On dirait un peu une poule qui couve, mais... C'est... Mais qu'est-ce que t'as à tourner autour de nous comme une berbissotte, toi? Mon commandant! Oui? Il faut leur parler à ceux-là. Ils veulent creuser dans mon arpent. Quoi, ton arpent? Qu'est-ce... C'est un arpent qui m'était réservé, mon commandant. C'est la très bonne terre. On ferait venir n'importe quoi dans cette terre-là. Du terrain à légumes, mon commandant. Bon. C'est très bon pour les haricots. Bon, bon. Pour les salades. Passe me voir, à la permanence. Je verrai ce que je peux faire. Je vous ramène à la préfecture. Non. Pensez-vous, je suis de commission des Beaux-Arts à Verdun. L'organisation de la cérémonie du 10 novembre. Quelle cérémonie? Ben oui, le tirage au sort du poilu inconnu. On peut quand même pas le jouer aux anzis. Rodin, ils s'en ont plein la gueule de leur rodin. Pour la glaise, oui. Oui, ça, il était fort. Avec le pouce, d'accord. Mais sur le caillou, moi je le vaux. Et puis, maintenant qu'il est mort, eh ben, me voilà meilleur que lui. Oh, ici, ça sera très bien. Oh oui, face au large. Ça va bien pour vous, non? La sculpture. Oh, l'âge d'or, mon cher ami. L'âge d'or. Jamais vu ça depuis les Grecs, depuis les cathédrales. Même ceux qui ont une main de merde ont de la commande. Vous vous rendez compte? Un monument par village, on fournit pas. 35 000 communes par 300 sculpteurs. Tout le monde veut son poilu, sa veuve, sa pyramide, ses marbres. La ronde bosse, le bas-relief, la lettre, alors là, tout ça ronfle comme une usine. Mieux que la Renaissance, mon cher. La résurrection. Grâce à nos morts. Grâce à nos morts. Merci à eux. J'en ai plein les bottes. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Qu'est-ce qu'il prend tout à coup? Il me prend que j'en ai marre. Je me demande ce que je suis venu foutre ici. Pour la prime, tiens, gros malin. Mais je serais parti quand même sans la prime, tellement mes femmes m'en faisaient baver. T'en as beaucoup de femmes? Rien que deux, mais une de trop. Soldat Bouichot, debout. Vous faites votre prière ou quoi?
Est-ce que vous seriez devenu turc ? Si j'étais turc, sergent, je vous abattrais froidement comme un chien. Mais je suis français, de Montségur. Alors j'obéis, je me lève. Ah, la lune est pleine. Les nuits d'automne sont comme des nuits d'été. Insomnieuse. Je vous offre un coup à boire. C'est la fin du Brame. Grande baiserie d'après-hier. Tous ces vieux salauds de 10 corps sont à la remonte. Les petits soldats aussi. Ils se croyaient seuls avec Alice, il a essayé, mais... Les sentiments expulsent la vitalité. Il demandait la permission. Imbécile. Et vous, mon commandant, où sont vos affaires ? Mes affaires ? Allons, l'ami, allons. C'est mon métier de renifler l'univers. J'ai des yeux, instrument de travail. Les yeux qui s'intéressent aux yeux, aux regards qui vont des uns aux autres, sur un fil. L'amour fait le voyage là-dessus, mon cher. Pour quelqu'un qui sait voir, ça se voit. Sans balancier. Entre les œuvres et ceux qui les aiment, entre le chien et son maître, entre un homme et une femme. Entre vous et elle. Et même... Dans l'autre sens. À mon âge, c'est pas possible. En quelques heures. Quand la lune est ronde, la tête tourne au monde. Je suis un con. Le téléphone est une invention. Mais parler à quelqu'un, j'ai pas supporté. Oui, poney, bien sûr, poney. J'ai cru crever. Tu dois aimer les fausses maigres, toi. Après le sentiment. Après. L'acte doit précéder l'analyse. L'acte. Pas. Vous n'êtes qu'un troufion, Mercado. Quand on a retrouvé sa respiration, à la rigueur, retour aux bonnes manières. À la rigueur. Il n'y a rien à espérer avec quelqu'un comme vous. Rien. J'ai rencontré dans la forêt cette petite qui tremblait de peur dans le noir. Elle m'a dit qu'elle était Cosette et elle m'a guidé jusqu'ici à ma demande. Je venais chez vous ce soir. Pour parler d'elle ensemble. Oui, je viens pour emmener Cosette. J'ai sur moi de quoi payer ses dettes. Je représente ici sa pauvre mère, dont Dieu a décidé d'abréger enfin les misères.
de Dieu. Dis donc, un poil plus près, le fils de la Révolution, un prout, adieu papa.